Je débuterai mon règne en tant que chef magnanime et légitime de Congo Bongo. Il faudra impérativement que mes troupes soient prêtes et en condition physique optimale. On sera prêt, on sera paré, on sera préparé, chef. Je vous ai mijoté à cet effet un programme de remise en forme carabiné. Avec de vraies balles. Mijoté. Silence! Ce programme va durer exactement une heure. Il commence par une séance de gymnastique. Gym qui? Vive le sport! Vive le sport! Vive le sport! Vive le sport! Yeah! 2, 3, 4 en bas. 2, 3, 4 la jambe. 2, 3, 4 soufflés. 2, 3, 4. Quand tu te sens la partie, fais une séance de gymnastique. Vive le sport! Vive le sport! Pour te sentir mieux, il faut te plier en deux. Vive le sport! Vive le sport! Pour te sentir mieux, il faut te plier en deux. En travaillant ton corps, tu auras des muscles en or. Quand tu te sens apathique, fais une séance de gymnastique. Vive le sport! D'une banane pourrie. Retour au niveau 3, encore. Il faut que je te dise une chose, Didi. Surveiller un noix de coco est un boulot fatigant. Oui, oui, je sais. Purée. Et ça ouvre l'appétit. Je me laisserais facilement tenter par une banane. Tu viens juste d'en avaler au moins une douzaine. Bon, alors, je vais faire une sieste. Allez. Oh, que c'est bon. Je souhaiterais dormir pour toujours. Ça après la pause. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Je sens tout l'argent que je suis en train de perdre. La machine vient de tomber en panne. Quoi? Mais à chaque fois que la chaîne est arrêtée, ça me coûte de l'argent. Il faut la faire repartir immédiatement. C'est l'heure de la pause. Déjà? Mais c'est impossible. La pendule doit sûrement avancer. Tu vas... Elle est arrêtée, elle aussi. Ne t'attends pas à être payé pendant les pauses à durée illimitée, sous prétexte que... 1000, 2000... Oh, je suis ruiné. Je serai ravie d'en discuter avec toi. Quand la pause sera terminée, tu veux un morceau de tofu? Ah, l'orchidée Floradora. Aujourd'hui, c'est le seul jour de l'année où tu éclos, ma belle. Et seulement pendant 5 secondes, quand le soleil est exactement à cette position. Un petit sourire, la mise au point semble bonne, je n'ai que 5 secondes. À l'année prochaine, ma beauté. Et tu ne t'es pas refermé? Attends un peu, pourtant le soleil aurait dû... Par toutes les bananes de Jupiter, la Terre s'est arrêtée de tourner. C'est de très mauvais augure. Qu'est-ce qui se passe? Demande autorisation de faire une pause. Demande rejetée. Il vous reste encore
Vous avez encore une heure entière formidable. Ah, vous ne vous sentez pas déjà beaucoup mieux? Si. Alors continuez. Allez, Donkey, réveille-toi. Tu m'entends? Debout, paresseux, c'est plus l'heure de faire la sieste. Secoue-toi un peu les puces. Donkey. Oh. Ouf, au moins personne n'a volé la noix de coco. Bizarre. La Terre s'est arrêtée de tourner, les aiguilles se sont arrêtées de tourner. Donkey Kong! C'est pas sa faute, Cranky, je t'assure, il a rien fait à part une petite sieste, ce qui est normal. Sauf qu'il ne se réveille pas, ce qui n'est pas normal. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, vive les forts! 2, 3, 4! Poussez! 2, 3, 4! 2... Visage. Bizarre, c'est comme si le temps s'était arrêté. Tout comme la Terre. Ce qui explique pourquoi ces mollassons dégénérés sont si fatigués. Comme je suis intelligent, mais je ne suis sûrement pas le seul à l'avoir remarqué. C'est facile, il n'y a qu'à vérifier. Le gros singe est complètement hors service. J'essayais d'atteindre le niveau 4 de mon jeu quand Donkey a dit que c'était fatigant de garder la noix de coco. Ensuite, il a dit qu'il voulait une banane et après, il a dit qu'il voulait faire la sieste en souhaitant pouvoir dormir pour toujours. Attends, va en arrière et moins vite s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a dit, Donkey ? Que garder la noix de coco était un boulot fatigant. Et puis ensuite ? J'ai perdu ma partie et je suis revenu au niveau 3. Il a dit qu'il voulait faire la sieste. Vas-y, c'est très important. Tu vas me répéter ce qu'il a dit mot pour mot. Ah oui, je me rappelle. Oh, que c'est bon. Je souhaiterais dormir pour toujours. Je sens que cette histoire commence à me plaire. J'étais sûr qu'il y était pour quelque chose. Même en dormant, il ne peut pas s'empêcher de mettre tout le monde dans le pétrin. Il est sous l'emprise d'un drôle de sortilège. C'est pas rassurant. Mais on a de la chance parce que tu connais le moyen de le réveiller, pas vrai, Cranky? J'ai dit pas vrai, Cranky. Dis plutôt qu'on aurait eu de la chance si j'avais connu le moyen. Mais alors, il va vraiment dormir pour toujours? Tiens, on dirait que le gros singe est parti pour faire un gros dodo, ce qui tend à prouver que quand on dort comme un loir, on peut dire au revoir à la noix de coco en cristal, évidemment. Comment s'endormir? Comment rester endormi? Comment endormir sa belle-mère? Oh! Je n'ai pas trouvé de sortilège pour faire repartir le temps ou pour réveiller le singe au bois dormant ici présent. Moi, je sais comment le réveiller. Hein? Salut. Didi, tu as perdu la tête? J'essayais simplement de le réveiller. Donkey est envoûté. La noix de coco a arrêté le temps. Je ne sais pas par quel moyen elle a plongé Donkey dans un profond sommeil. Oh, ce qui expliquerait ce qui est arrivé à Bluster. Et pourquoi ma pause banane n'est toujours pas terminée. Et pourquoi je me sens aussi fatiguée. Déjà qu'en temps ordinaire, ce gros paresseux est incapable de se réveiller tout seul. Allez, debout, tas de fainéants. Je m'aperçois que j'ai beaucoup de mal à me faire obéir. Voilà, c'était le dernier, je n'ai rien trouvé. Pas une seule indication sur comment rompre un sortilège. Et si donc il ne se réveille jamais, ce n'est pas en rêve qu'il pourra surveiller efficacement la noix de coco en cristal. Sois sans crainte, Cranky. Il se réveillera quand il saura ce qui est bon pour lui. Debout! Debout, Donkey Kong! Debout! Debout, 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 paresseux! Et que ça saute! Debout, debout! Debout, 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 debout! Debout, debout, Donkey! Debout, 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 debout! Vous dormez comme des souches, debout au lieu de gommer les mouches. Debout! Debout! Debout, abruti! Ah, debout! Debout, 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 debout! Debout, debout, fainéant! Sinon je montre les dents! Debout! Debout! Quoi? Tout ce que ça, c'est un nom, un grade et un...
Un matricule. Repos! Espèce de mollasson, écoutez-moi attentivement! Pendant que vous roupilliez comme des marmottes, moi je faisais marcher mes méninges au pas de course, préparant le plan le plus habilement ingénieux. Est-ce que je peux baisser les paupières pour vous écouter, chef? Négatif! Même des protozoaires débiles profonds comme vous ont dû remarquer que le temps s'était arrêté. C'est un soulagement, chef, parce que j'ai cru que ma montre était cassée. Ça veut dire que j'aurai le droit de me coucher plus tard, chef. Non, et puis laissez tomber. Mais j'ai encore une meilleure nouvelle. Donkey Kong, ce semi-siestophile, a été envoûté. Il ne peut plus se réveiller, par conséquent, la noix de coco en cristal est mûre à point pour la cueillette. Bien reçu, chef. Je vais déclencher... l'opération mûre pour la cueillette, chef. Avec Donkey Kong hors service, piquer la noix de coco, ça sera du gâteau. Il y aura aussi du gâteau. Oh, laisse tomber. On ne bouge plus. Quoi? Mais je croyais qu'il devait dormir. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, noix de coco et gâteau. Ce que le soldat veut dire, c'est que... on était en manœuvre, et alors on a eu une petite envie de gâteau à la noix de coco. Et donc j'en déduis qu'on s'est emmêlé les écailles. Si tu penses que je vais avaler tes salades, vous êtes venu pour voler la noix de coco en cristal. Ouais, alors donne-la. Non, l'écoute pas, c'est un caïmenteur. Vous commencez à me chauffer les oreilles. C'est le moment de battre en retraite. Tranquille, ma fille. On les a bien eus, avec notre histoire à dormir debout. Ils vont revenir pour voler la noix de coco. Crois-moi, on a peut-être réussi à berner momentanément ces deux alligators gâteux, mais pas à désenvoûter Donkey. Ce n'est pas étonnant, il a toujours été... un cas à part. Un cas? Mon Dieu, Pip, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Tu pourrais être plus clair. Linka Dinkado, il pourra sûrement nous aider. Didi, tu vas emmener Donkey Kong en promenade. Quoi? Je sais que tu dois te demander pourquoi on se pointe chez toi à l'improviste, mais j'ai là un cas qui nous pose pas mal de problèmes. Pour rompre le sortilège. Le sortilège? Gagné, en plein dans le mime, du premier coup. Dis donc, t'en as dans la tête, hein. Je parie que tu es le plus grand savant de toute la jungle. C'est pour silence. Ça que... Ah, ça j'en suis capable. Cric, crac. J'ai même jeté la clé. Pour que la Terre recommence à tourner et pour réveiller Donkey, il faut que celui qui a des pommes dans les yeux lui donne un baiser. Quoi? Mais ta réponse n'a ni queue ni tête. Tu pourrais répéter pour que je te prouve que j'ai raison? Tant pis. Je crois que je m'en souviendrai. Demande autorisation de vous communiquer un renseignement, chef. Quel renseignement? Je n'ai pas de temps à perdre. Il n'y a qu'une chose que je veux savoir. Où est ma noix de coco? Le gros singe, il a pas voulu la libérer, chef. Pourtant, on a été poli. Vous n'êtes vraiment que des bons à rien. Ce n'est pourtant pas difficile de voler une noix de coco à un singe endormi. Oh, mais il était aussi réveillé que vous. Ou moi, chef. Réveillé. Maintenant, il a l'air endormi. Vous avez vu? Le voilà rendu au pays des rêves, aussi inoffensif qu'une marionnette. Vous voulez que... qu'on y retourne, chef? Non. Nous allons cette fois-ci y aller tous ensemble. Prendre la noix de coco à cette grosse marmotte sera un spectacle à mourir de rire. J'ai pas compris. Maintenant j'ai compris. Et...
J'ai un truc à te dire, mon gros. Quand tu te réveilleras, t'auras intérêt à ne manger que des bananes de régime. Quand se réveillera-t-il, Didi? Que t'as dit, Linka Dingadou? Quelque chose à propos d'un baiser et de pommes dans les yeux. Mais ça n'a strictement aucun sens. Que t'a-t-il dit exactement? Pour que tout soit comme avant et pour réveiller Donkey, il faut que celui qui a des pommes dans les yeux lui donne un baiser. Voilà à peu près ce qu'il a dit. À mon avis, il n'y a que la personne dont il est amoureux qui puisse l'embrasser. Et la personne en question ne peut être que moi. Ça paraît plutôt absurde, mais comme tout ce qui arrive aujourd'hui est absurde, on peut toujours tenter. Ouais, c'est pas bête. Tu n'as qu'à essayer sur la bouche. Bonne idée, Didi. Donkey va devenir dingue quand il apprendra ce que j'ai dû lui faire pour le réveiller. De toute évidence, tes baisers ne sont pas les bons, ma petite Candy. Il est peut-être amoureux d'une autre. Eh bien, c'est la dernière fois de ma vie que je vous donne un baiser, Monsieur Donkey Kong. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu attends pour l'embrasser? C'est obligatoire. Il faut que tous les habitants de l'île lui donnent un baiser, alors tu feras comme les autres. Allez, dépêche-toi. Suivant. Je n'ai pas le temps de jouer à ces bêtises, moi. À chaque fois que mon usine s'arrête de tourner, je perds une petite fortune. Au lieu de brasser des billets, embrasse plutôt Donkey. N'est-ce bien la peine? En principe, je n'embrasse jamais la première fois. Si tu tiens à ce que ton usine recommence à tourner sans tarder, oui. D'accord. Merde. J'aurais pas aimé être à sa place. Je suis prêt à recommencer. Mais auparavant, j'aimerais m'entraîner un moment avec Candy. Comment avez-vous le cœur à manger dans un moment pareil? Malade ou fatigué, il faut toujours manger. Tu sais, Candy, il n'a pas réagi non plus à nos baisers, si ça peut te consoler. Je n'aurais pas imaginé une seconde avoir autant de pépins avec cette énigme. Il faut dire que je suis tellement fatigué. Chut! Cranky, regarde! Comme nous vous l'avons déjà signalé, l'ennemi est bel et bien réveillé, Majesté. Qu'est-ce que tu dis? C'est impossible! Morbleu! Il semble que la grosse marmotte soit effectivement debout. Qu'est-ce que ça te fait de parler à ton ex, petit ami, espèce de vilain babouin? Continue, ils sont toujours là, à nous épier. Je ne sais pas combien de temps encore j'arriverai à le faire tenir debout. Clamp, donne-moi la paire de super jumelles. Prenez la mienne, chef. Oublie ce que je t'ai dit. Très intéressant, oui. C'est bien ce que je pensais. Pour une espèce sous-développée, ils sont pas si bêtes, mais pas aussi intelligents que King Carol. Donkey Kong dort comme une biche. Oh, ça va durer encore combien de temps parce que je fatigue? Jusqu'à ce que cette bande de répugnants reptiles s'ennuie et retourne chez eux. Ce n'est pas très gentil de ta part, Kanki. King Carol! Je suis juste passé prendre des nouvelles de mon cher ami Donkey Kong. N'approche pas, monstre des marais! Oh, monstre des marais, tiens donc. C'est tout ce que tu as été capable de trouver. C'est que je suis pas très en forme, voilà tout. Oh, je me disais aussi, je comprends mieux maintenant. Je te trouve en effet un peu paléchon et tu m'as l'air aussi bien mollo. En fait, tu sembles, comment dire, abruti. Ah oui! Ne fais pas attention au singe qui se cache derrière le singe. Ouf. Regardez les enfants. Bébé babouin a monté un spectacle de marionnettes.
Maintenant ça suffit, qu'est-ce que tu veux au juste? Quoi, tu ne le sais pas? Cranky, je dois avouer que tu me déçois énormément. La noix de coco en cristal retourne à la maison avec moi qui suis le nouveau commandant-chef de Congo Bongo. Et ce n'est pas un troupeau de primatavachi qui pourra l'en empêcher. Soldats, reprenez mon joyau. Pas si vite, tête de crapaud. C'est qu'il mordrait le Ouistiti. Oh là là, ouh! À l'attaque et pas de quartier! Banane! Je l'ai eu! Je l'ai eu! Je l'ai pas eu! Vas-y, Didi! Bravo! Essaye! Quelle époustouflante démonstration de bouffonnerie! Finissez-en avec lui si vous ne voulez pas finir votre vie en sac à main! Vous m'avez vu, j'ai réussi à les battre. Vive-moi, j'ai sauvé la main de Coco. À ta place, je ne me réjouirai pas si vite, vilain crapoussin, car c'est moi qui ai la garde de la noix de coco à partir de maintenant. Chef, attention! Je ne vois plus rien. J'ai des pommes dans les yeux. C'est King Karol qui a des pommes dans les yeux. Voilà l'explication de l'énigme. Regardez, il se réveille. Mon plan ne se déroule pas comme prévu. Banane Slam! Les aiguilles se remettent à tourner. Décidément, ce n'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Alors, où en étions-nous déjà? Banane Slam! Merci pour ce charmant accueil. J'ai passé un merveilleux moment, mais je dois absolument partir. Oui, mais au moins, laisse-moi te raccompagner jusqu'à non, la non, porte. Non, 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 non. Vous nous quittez déjà? Quel dommage. Voyons, Candy, tu sais bien que j'aurais réagi à tes baisers si je n'avais pas dormi comme un bébé. Mais à présent que je suis réveillé, tu peux recommencer. Oh, alors, Candy, ne lui refuse pas ce plaisir. Il nous a peut-être causé tous ses ennuis, mais il a également sauvé la noix de coco en cristal. C'est bien parce que c'est toi, Donkey. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, Donkey, parle-moi. Je t'ai bien nu. Toile.